Et toute cette semaine dans la matinale de TV7, ce fil rouge autour des conséquences de la crise sanitaire, on en parle avec notre invité ce lundi matin, c'est Laurent Tournier. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Umi Gironde, c'est donc le syndicat des restaurateurs et hôteliers, puis vous représentez aussi euh, les discothèques et les traiteurs, on va en parler. Euh, la Gironde, euh, Laurent Tournier est en zone rouge euh, avec l'épidémie de coronavirus. La préfète doit faire des annonces ce matin à la demande du Premier ministre. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui alors, nous sommes très inquiets. Euh, nous sommes pendus aux, aux lèvres de Madame le Préfète. Euh, on imagine que les annonces euh, peuvent être compliquées pour nos professions. Nous avons euh, eu euh, des gros problèmes euh, euh, de gestion de nos entreprises euh, ces dernières dernière semaines, puis avec le, le Covid qui s'est installé dans, dans certaines de nos entreprises. Mmh. Nous avons dû même en fermer certaines pour des mesures sanitaires. Ouais. Euh, donc, euh, oui, extrêmement inquiet de, de la manière dont ça va se passer. Pour vous, quelles mesures pourrait annoncer Fabienne Boucher aujourd'hui qui pourrait euh, plomber euh, de nouveau le secteur On craint une fermeture anticipée, hein, comme à Marseille. Marseille était fermée dans un premier temps à, à 11 h. L'établissement devait fermer à ouais. 11 h. Euh, puis on s'est ravisé. Et donc, c'est passé à minuit et demi. Donc, on a peur que cette mesure soit installée en Gironde. Au niveau national, l'hôtellerie-restauration, on l'a dit euh, tout à l'heure dans, dans notre sujet, représente euh, 2 millions d'emplois, 86 milliards d'euros. Est-ce qu'on a déjà une idée, euh, en Gironde ou en Nouvelle-Aquitaine, de l'impact du confinement, plus globalement de l'impact de la crise sanitaire sur le secteur aujourd'hui Oui, c'est assez disparate. Euh, nous avons euh, des pertes d'activité entre 70 et 70 et, et 35%. C'est-à-dire que sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est assez, euh, assez disparate. Euh, le littoral a plutôt bien fonctionné euh, à la reprise. Mmh. Euh, les, euh, les, les zones urbaines, plus difficilement. Euh, la ruralité s'en est pas trop mal sortie. Mais aujourd'hui, euh, euh, voilà, la perspective d'avenir est, est très compliquée. Donc le, la bouffée d'oxygène que nous avons eue euh, avec l'été euh, ne sera pas suffisante pour rattraper le retard de, du confinement et de la fermeture de nos entreprises pendant deux mois et demi. Oui, justement, les Français donc, qui n'ont pas pu voyager euh, à l'étranger euh, se sont rabattus sur un tourisme français, un tourisme local. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas aidé les hôtels, les, les restaurateurs à, à faire le plein. Alors dans certains secteurs, oui, euh, sur le littoral, euh, les, les restaurants et euh, les hôtels ont plutôt bien fonctionné. Après, par contre, sur, le, sur la, la partie euh, urbaine et encore une fois, euh, une certaine partie de la ruralité, ça a été plus compliqué. Le, le tourisme français euh, a plutôt bien fonctionné. Euh, le moyen courrier, on va dire, on a les Allemands, les Anglais, les, les Belges sont plutôt venus dans la région. Euh, mais ça n'a pas suffi pour euh, remplir l'ensemble des établissements. Et certains d'ailleurs même n'ont même pas réouvert à Bordeaux. Euh, des restaurants sont restés fermés. Euh, après l'été, il y a donc le reste de l'année. On sait que la plupart des événements, des salons, des congrès, euh, des foires ont été annulés. Euh, bientôt, il n'y aura plus de terrasses. Les mois qui arrivent vont être euh, compliqués pour oui. euh, les restaurateurs et les hôteliers Oui, oui. Notre clientèle, aujourd'hui, ce sont les, les seniors, ce sont euh, les seniors étrangers, euh, l'événementiel. Tout ça est à l'arrêt. Oui. Le tourisme international non courrier est complètement arrêté. Donc ça, c'est vraiment une partie de la clientèle qui nous manque cruellement. Les hôtels qui normalement aujourd'hui sont remplis à 80, 90%, 95%, sont à 20%, 25%, 30% pour les meilleurs, les meilleurs scores. Donc ça, c'est vraiment très anxiogène. Et pourtant, quand on se promène dans Bordeaux, on, on voit toutes ces places avec des terrasses bondées. On a l'impression que ça marche bien pour, pour les cafés, pour les bars, pour les restaurants. Il y a beaucoup de monde en terrasse. Les gens sont contents après le confinement de, de retrouver cette ambiance. Certains établissements, effectivement, Sortent leur lapin du jeu. Et heureusement, la météo est plutôt propice. Euh, mais ça ne fait pas l'ensemble de, euh, de la profession. Ce que l'on voit, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg. Euh, voilà, tout, encore une fois, tous nos hôtels, nos traiteurs, nos discothèques sont fermés, les bars euh, travaillent à, à 30%. Donc vraiment, là, il y a, y a, y a une, situation qui, une situation qui est très compliquée. Même si les apparences peuvent être trompeuses, euh, et, et un peu comme la saison, ça a été un peu en trompe-l'œil, euh, la perspective d'avenir est, est, est très, très préoccupante. Des épidémiologistes américains euh, ont publié une étude qui a été relayée par nos confrères du monde euh, hier. Euh, ils ont cherché à déterminer euh, chez des individus atteints du Covid quelles avaient été les activités auxquelles ils avaient participé au cours des, des dernières semaines. Et parmi ces participants, euh, ceux qui ont été dans un bar ou un café ont 3,9 fois plus de chances d'être infectés. Euh, Est-ce que vous comprenez quand même l'inquiétude euh, qui règne, l'inquiétude de l'État, l'inquiétude des gens de fréquenter ces établissements alors je peux la comprendre, je l'entends. Euh, maintenant, il faut mettre les choses en perspective. Euh, dans nos établissements, les gestes barrières sont, sont respectés, et, euh, et ça n'est pas le cas dans une soirée privée. Où, euh, voilà. Donc j'ai peur que euh, le naturel revienne au galop. Euh, c'est pas parce qu'on va fermer nos établissements que les gens vont arrêter de se voir. Donc ils vont se voir dans un contexte qui sera moins encadré euh, et, et sanitairement euh, euh, peut-être plus compliqué. Donc c'est cette chose, enfin cette partie-là aussi qu'il faut, euh, qu faut appréhender. Vous êtes réunis notamment avec Philippe Etchebest, on l'a vu, pour, pour pousser un coup de gueule, euh, demander de l'aide pour sauver l'hôtellerie restauration. Euh, le plan de relance proposé par le gouvernement, il n'est pas satisfaisant Il ne concerne pas votre secteur, selon vous euh, Pas suffisamment. Euh, on demande un, un, un plan de sauvegarde d'abord, avant le plan de relance. Un plan de sauvegarde de l'emploi hein. Voilà, nous avons eu des aides, certes, le chômage partiel en a été une majeure, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, Aujourd'hui, nos trésoreries sont, sont mises à mal. Euh, nous avons besoin au, au moins d'une mesure importante, soit la baisse de la TVA soit la baisse des, des charges euh, sociales, euh, soit la prise en compte euh, d'une partie de la, la perte d'exploitation par, par les assureurs. Euh, et, et nous demandons, quoi qu'il arrive, le report du chômage partiel jusqu'au printemps prochain, puisqu'on euh, on sait déjà que l'automne euh, et l'hiver vont être très compliqués à appréhender. Qu'est-ce qui s'annonce, justement, beaucoup de suppression d'emplois, de chômage Alors pour l'instant, le chômage partiel évite cet écueil. Euh, oui, si, on, si le chômage partiel baisse. On a peur, de, effectivement, d'avoir du chômage tout court. Donc ça, c'est euh, extrêmement euh, extrêmement euh, euh, inquiétant euh, de notre point de vue. Peut-être un mot, euh, Laurent Tournier, vous représentez, on l'a dit, donc les hôtels, les restaurants dont on parle beaucoup. C'est la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a aussi euh, les discothèques et les traiteurs que vous représentez à, à, à Lumi. Euh, quelle est leur situation aujourd'hui On entendait parler, euh, pendant, euh, pendant le début de la crise, pendant cet été, des discothèques qui ne pouvaient pas rouvrir. Est-ce que c'est toujours le cas Et comment elles vont dans la région Alors là, c'est tout simplement... Catastrophique. Euh, donc les discothèques sont toujours fermées. Euh, une aide a été allouée, mais elle n'est toujours pas débloquée. Donc là, vraiment, euh, les, les, les pauvres gérants de discothèques ne savent plus comment faire. Euh, les traiteurs sont quasiment à l'arrêt mis à part la reprise avec les mariages, euh, mais c'est une petite partie de l'activité. Tous les grands événements ont été arrêtés. Enfin, voilà. Donc ça, pour, pour, pour nous, c'était vraiment une, une population qui, euh, qui va être sinistrée. Je ne sais pas euh, quel va être le taux de casse dans ces entreprises, mais en tout cas, il va être un peu très important. Pour conclure, Laurent Tournier, pour vous, c'est quoi la mesure la plus urgente aujourd'hui Qu'est-ce que vous demandez encore une fois, euh, une baisse euh, d'une de nos charges importantes. Voilà. Encore une fois, il faut que l'État prenne la mesure de la, de la situation. Vous le disiez en préambule, ce sont 2 deux, deux, deux millions d'emplois qui sont en jeu. Et euh, si nos entreprises ne sont pas accompagnées, euh, voilà, nous sommes les, les oubliés du plan de relance aujourd'hui. Donc euh, nous sommes prêts, nous, à, à faire des efforts en termes de développement durable, en termes de formation, euh, voilà, sur ces, sur ces sujets-là qui sont des sujets majeurs du plan de relance. Euh, nous levons le doigt. En disant, nous sommes là, nous existons, nous représentons 8% du PIB national, euh, nous, nous devons euh, avoir une partie du plan de relance. Aujourd'hui, nous sommes les oubliés total de ce plan de relance. Donc, j'en appelle au gouvernement de nous écouter et, euh, et de nous aider euh, euh, à rester debout et à euh, accompagner le tourisme français qui est un, le premier touriste, euh, touriste au monde. Le message est bien passé, Laurent Tournier. Merci beaucoup euh, euh, d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.